salut, j'ai lancé Squitter, aujourd'hui on se retrouve sur Castle Clash pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous aimez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve donc comme je viens de le dire sur Castle Clash. On va faire plusieurs trucs, donc la vidéo risque de durer un bon petit moment. Déjà on va finir ce tableau de quête, mais ça va pas être pour tout de suite parce que il me manque 3, donc dans 15 minutes je pourrais, donc voilà, donc pendant ça on va faire autre chose. Donc déjà on va compléter ça. Hop. Voilà. Désolé s'il y a des petits lags, des petits freezes et tout. Et pardon pour le bruit de la poubelle. Je rec avec Fastlane Capture. Donc c'est pas méga fluide, mais au moins ça filme en 1080p. Pardon. J'ai bugué. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est un nouveau village. Quoique non. Parce qu'en fait, j'essaye des nouveaux types de villages. Et avec celui-là, je me suis fait attaquer 3 fois. En 12 heures. Ce qui est énorme. J'ai level 10, level 10, level 10, level 10, level 9. Toujours la dernière. Donc je up mes, mes bases de héros. Level 10. Mes héros ont pas mal changé aussi. C'est-à-dire que... Alors je sais même plus où sont les bâtiments là-dessus. Si, alors là je suis sur BlueStack. Donc voilà. Je suis sur l'ordinateur. Pour plus que vous ayez le logo MobiZen. Et pour que vous ayez un peu le son du jeu quand même. J'ai coupé la musique parce qu'elle est très vite chiante. Donc j'ai eu un Santa avec 1600 gemmes il y a un mois et demi. Bientôt level 140. Mon premier level le 140. Un Thunder God que je suis en train de monter doucement. Mon druide, mon Snowzia. Que j'ai eu, je vous avais pas montré, Immortep Ninja, Succube que j'ai eu en même temps dans le même tirage à 1600 gemmes que le Père Noël, un champion et un deuxième champion dans la carte de 30 jours, deux druides, et puis voilà, après j'ai le chaman que j'ai levé up level 80 avec un petit 1-8 de Revita, lui bon je l'ai up pour me faire de la puissance, parce qu'il a un 5-8 Revita et un 5-8 ressuscité, c'est vraiment très pratique. Même si ce héros je l'utiliserai jamais. Reine de givre, je l'ai mis à 4. Donc voilà. C'est à peu près tout. Au niveau des héros, au niveau des inscriptions. Gravé level 80, je suis trop content. J'ai mis du temps à le faire, mais c'est pas grave. Et là je peux plus. Parce que level 80, après ça va devenir chaud. Il me reste. Après il restera en fait 20 levels jusqu'au level 100. Il faut qu'il soit palier 9 pour passer level 100. Mais il faut regarder pratiquement 1 million pour faire monter de 1 level. Quoi. Donc là, du coup, je suis en train de monter mon Thunder God. Le prochain que je up palier 140, c'est lui, le druide. Ou l'immortel, je ne sais pas encore. Donc, un petit ressuscité sur mon Santa. Un dieu de la guerre 1 sur mon Thunder God, un ténacité 2 sur mon druide, mon seul set complet 2, un ralentir 1 sur mon snow, un dieu de la guerre sur mon immortep, d'ailleurs je vais le remplacer. On va mettre rempart, je crois que c'est ça le nom en français. Et up. Donc ça augmente de 4 l'HP et l'attaque, donc c'est mieux je trouve. Surtout ça rajoute pas mal de vie. Mon ninja et ma succube que j'ai monté level 100 pour l'arène et les batailles de royaume perdu, enfin je sais plus comment on appelle ça. Et tous ceux qui peuvent être gravés ont été gravés, donc là vous voyez que j'ai 32 000. Donc ça fait déjà 4 minutes de vidéo, ça va vite. Voyons voir ce que je peux acheter dans mon autre pot, que de la merde. J'ai ça. J'ai un set complet de Deadly Strike, mais il sert un petit peu à rien, je trouve. Celui-là, je le vends. Parce que je les aime pas. Je les utilise pas, ces écussons. Blade Shell. Je crois que ça renvoie les dégâts, et honnêtement, c'est plus la merde. Hop. Alors après, il y a le Skater Crest. Celui-là. Fou furieux, j'en ai déjà deux. Je suis trop content. J'aimerais en avoir plus. Bon, j'ai encore deux sets complets de Dieu de la guerre.
2 drains de vie, encore un rempart 4. Et surtout, il me manque juste le ressuscité 2 pour avoir un deuxième set de ressuscité. Donc je suis content. Donc voilà. Au niveau de mes bâtiments, ça avance doucement. Bon, les mines d'or et les moulins malins, non pas trop. Après, j'ai. Voilà. Tout 14. Bon, cela, ça bouge pas. Tout 6. Tous 10. Et là, je suis en train de up level 16. 13, 13, 13, 13. Donc, faut que je up tout level 16 à peu près. Hein. Tout vite fait, quoi. Au niveau des ressources, oui. Il reste encore 6 minutes de bouclier MDR. Donc voilà, c'est un petit peu tout à ce niveau-là. Il reste 10 minutes, ok. Et du coup, ce qu'on va faire, du coup là-bas, je pense que je la ferai tout seul parce que je n'ai pas tellement d'idées quoi faire. Je suis 65 millième, hein, ils m'ont battu, les méchants. J'ai réussi à être 40 millième, hier j'étais 40 millième. Mon record inchangé, il reste. Je ne sais pas si je l'avais fait en vidéo. J'ai plus. J'étais en rec, mais je sais pas si. En fait, j'ai énormément rec sur Castle Clash. Mais que dalle posté. J'ai fail. Je vais mettre tout devant. Hop. Et j'ai que dalle posté parce que bah, je trouvais que c'était un petit peu vide d'intérêt. Là, j'ai des trucs à faire. Celui-là, j'arrive à le battre assez aisément. Pas en frontal, parce qu'il a quand même. Un ninja 140, un dieu de la guerre 140, et surtout il a l'Atlanticor qui fait très très mal. Mais bon, mes héros ils sont largement supérieurs aux siens. Ah, quoique, il les a quand même un peu up, oui. Mais bon, vous voyez que la succube elle enlève 24% de la vie d'Emmanuel. Donc ça fait très mal. Plus 9000 places, donc je suis 56 millième. Donc je reste dans ces environs, entouré de level 160 et quelques. Juste pour vous montrer. Hop, donc là, un. Et celui-là, ça va encore, c'est pas le plus badass. Et encore, j'arrive même pas à passer le milieu, vous allez voir. Hop. 168, je lui fais rien et il me démonte avec son éclair. Donc voilà. Donc on va faire un peu de bataille perdue. Je crois que j'en ai encore jamais fait en vidéo. Donc il reste 2 jours, 18h, donc ouais, 3 jours on va dire. Donc il me reste 3 x 5, 15 possibilités de gagner des points. Il faut que j'arrive à 600. Mais ça va être largement faisable à mon avis. Faut que j'arrive à 450 aujourd'hui. Voici mes équipes. Donc je suis content, mes deux meilleurs maintenant sont pratiquement à égalité. 3514 grâce à... là j'ai 4 légendaires du coup et un... Et l'ange pour régénérer un petit peu la vie, même s'il sert un petit peu à rien. 3586 avec 3 légendaires, mais c'est mes 3 meilleurs en quelque sorte. Parce que le meilleur, ça reste quand même le Santa. Hier, j'ai fait un combat contre un mec qui avait un comment ça s'appelle? Celui qui renvoie les dégâts, merde. Je ne vais pas dire de bêtises. Un Atlanticor, et ça me revient quand je commence à chercher. Il avait un Atlanticor, il a démonté tout le monde. Mon Santa il a balancé son sort pile après, il a démonté tous les autres. Tous ceux qui restaient, il avait quand même un Cupid 140, mais le reste c'était des 100. Donc voilà. Donc je les balance dans ce sens-là. Ma meilleure au milieu, ma deuxième meilleure en premier. Donc là, vous pouvez voir quand même. Ouais, parce que mon ange là, il va être 40, il fait un petit peu rien comme regarde, là. Ce qui m'amuse, c'est parfois je le vois mettre le coup qui tue un adversaire de 140 level au calme. Là, je vais me faire des pop. Oui, je suis certain. Ah, même pas. Même pas sûr. Ah, si. Il l'envoie méga vite son sort. C'est extrêmement chelou, je trouve. Oh, dommage. Dommage, ça aurait pu être possible si j'avais mis. En fait, plusieurs fois, je peux gagner si j'ai mon Santa avec mes. Mais si j'ai mes Santa avec Immortep, enfin avec tous mes meilleurs héros, quoi, j'ai gagné sur certains. Là, je perds parce qu'il y a de bons héros, mais pas très haut level, donc j'ai peut-être une chance de le battre après. Donc je vais me rebattre contre lui. Faut avoir de la valeur sûre en quelque sorte, hein, voilà. Hop, comme ça. Je suis sûr de pouvoir gagner parce que bon, il a sa team full bleu. Je comprends pas, il a un Cupid level 96. Il commence un jeu, comment ça se passe?
Parce que non, mais sérieusement, un Cupid 96. Je suis plus sûr, mais je crois. Moi, que ce soit 196. Là, je flippe. J'aurais pas dû le relancer. Mais je crois pas. Je crois même pas qu'il y ait quelqu'un qui a un level 190. Quand même 3 bons héros. Hein. 96, oui. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu t'es perdu? Dis-moi, mon enfant. Est-ce que tu t'es perdu? Parce que le Cupid, là, hein, 96, il sert un petit peu à rien. Bon, sans le duc, il sert à rien. Hop. Donc, moi, je me fight toujours contre ceux de gauche parce que bon, c'est général. Enfin, contre les bleus ou les verts. Mais bon, ça veut un petit peu rien dire. C'est histoire de me rassurer, tu vois. Parce que là, regarde, 160. RIP. RIP. Oh, même. Oh putain, s'il avait pas eu son. Ah, s'il avait pas eu son ressuscité, je l'aurais eu. J'aurais tué. Ah. Dommage. Je suis dégoûté. Hop. Mon immortel balance son revita avant le sien, c'est nice. Et je meurs. What? Je ne sais pas. On va changer un petit peu. Je sais pas si c'est le même. Si, c'est le même. Ah non, même pas. Même pas. J'ai rien dit. 95. Oh, largement faisable, ça. S'il casse pas trop les couilles, son Atlanticor. Hop, allez, dépopez-le. Quoi? Faut quand même voir que le. Voilà, le Santa Ed. Il est quand même puissant. Il est quand même puissant, son sort. Il les ralentit et il fait extrêmement mal. Extrêmement mal. Je sais pas pourquoi je me répète. Me répète. Alors là, je vais me faire des pops parce qu'il a que des héros 120 plus. Mais optique d'après. Ah, j'espère qu'il a une équipe de merde. Équipe de merde. Oui. Donc là, j'ai largement. C'est largement possible que je gagne. J'aurais peut-être dû mettre mon héros avec un ressuscité 5. Mais bon, il fait que dalle de dégâts. Puis j'ai préféré mettre. Je pense que vous en rendez compte. Le chaman. Oh, les démons, le démon de glace et la reine des givres. Alors quoi. Parce que c'est trois, on va dire, les meilleurs héros. Non, pas celle-là, parce que celle-là, elle fait très mal. Ouais, au pire, de toute façon, on s'en fout. C'est les trois, on va dire, meilleurs héros élite ou ordinaire. Vous voyez, bon, vous voyez maintenant contre qui je tombe. Hein. C'est pas étonnant si je me fais niquer. Même pas le temps de balancer mon Rosita. Ouais, j'ai quand même réussi à tuer son dieu. Ça pâche. Ça pue la merde, c'est ça. Sauf s'il a des 140. Quoique, ils sont tous level 100. L'Atlanticor joue un vrai rôle en fait dans ce mode. Si tu as un talent 3-5, 5-5, non, parce que 5-5, ça sert un petit peu à rien. Mais si tu as un talent 3-5, genre le temps qu'il l'active, il l'activera avant que les adversaires activent leur Vita. Ce qui donne une possibilité de niquer. Bah, de le défoncer quoi. Voilà au niveau des batailles. Ça fait déjà 13 minutes. Il reste 2 minutes, on va faire des petits donjons du coup. Ce qu'on fait, c'est j'attends qu'ils arrivent tous vers le milieu. Je montre avec ma main comme un Google. Donc j'attends qu'ils arrivent tous au milieu. Bon, vous voyez. On en parle de l'efficacité minimale. Hein, le Santa qui sert seulement à rien. Pas du tout, le Santa c'est le meilleur héros. Juste pour le kiff, c'est ça. Ouais. Je m'en servirai en mode. En mode ramasse-miettes après. Pour les batailles. Hop. Genre pour gratter. Hop. Celui-là. Celui-là. Oh putain, je parle bien la France moi. Hero Halter. Bon, on va le faire. Allez. Hop. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo, si je continue ou pas, parce que si ça vous plaît pas, quoi, je vais arrêter, quoi. Ça m'empêche pas de continuer tout seul dans mon coin. 200 000 de mana, enfin 300 000 pratiquement. Ça m'intéresse.
Alors là, c'est bien quand il y a un ou deux héros adverses. Bon, par contre, là, il sera même plus. Ah, il s'est mal mis le talent. Enfin, le. Oh, le truc pour être invincible, quoi. Il s'est mal mis. Je vais le mettre là. C'est un inconvénient de jouer sur PC. C'est peut-être pas apprécié. Je sais pas pourquoi je chante. Aujourd'hui, je chante très mal. Oh oui. Regarde combien de dégâts ça fait aux murailles. Midlife, une roquette, au calme. Du coup, j'ai perdu mon torse. Ah là là. Bon, bah, j'ai eu tort. J'ai tiré 3000 gemmes au total ces 3-4 derniers jours. J'ai absolument rien eu. Mais genre vraiment rien eu. Enfin, si, j'ai eu le chaman. Mais bon, merci mec. Mais c'est pas. J'ai pas folichon, folichon quoi. Il y a mieux. Y a largement mieux. Là, je le pose là, comme ça il va niquer ça. Et après, il va partir par là. Puis après, je mets tous mes héros pour qu'ils rentrent à l'intérieur. En plus, il a un petit. Un petit. Comment ça s'appelle? Moi, je m'en fous, hein, honnêtement, si ça me coûte plus cher à mettre. Enfin, que ce que je gagne. Je m'en fous. J'ai pas envie que mes héros meurent, du coup, j'assure le coup. Je sais que c'est inutile en fait, il faudra les laisser à un endroit parce qu'ils font pas assez de dégâts pour détruire rapidement tout en étant éparpillé. Mais je m'en fous. Mais ça pour le lol. Moi après en même temps je pense que la plupart de ceux qui regardent mes vidéos ne connaissent pas forcément le jeu. Enfin, n'y jouent pas. Donc voilà. Je vais peut-être donner quelques techniques que j'ai appris d'autres youtubeurs de ce jeu. Parce que moi honnêtement j'adore ce jeu. Hop, tip top. Moi j'ai des 100% parce que c'est jamais ce qu'il faut que je détruise. Après, dans ce genre de base là, je fais ça. Hop. Hop, allez, nickel est. Le chevalier de la mort qui cassait des couilles au début. Ça va. Il a été gentil. Là, non. Là, je vais envoyer des troupes. Histoire de casser tout ce qui reste. Donc, en bas, comment ça va? Ils viennent de casser un coffre. GG les mecs. Là, ça se passe plutôt bien. L'ornithoptère. Alors, j'ai pas mis de troupes parce que l'ornithoptère aurait attaqué mes troupes, mais mes troupes l'auraient pas attaqué. La logique. Boum. J'adore quand je défonce tout. En plus, je suis même pas méga fort par rapport, enfin, par rapport aux mecs que j'attaque. J'ai des héros beaucoup plus petits généralement. Bon, 114, c'est assez exception, mais bon, lui, mec, il a train de tort, chevalier de la mort, et bon, celui-là, il a déjà le duc. What? 82, s'il te plaît. Il a pris un level depuis hier. MDR. Le 33 000, non, ça vaut pas le coup. Parce que je regarde quand même, histoire de pas trop faire un gros déficit, quoi. Parce que j'ai un déficit de 2000, 3000. Je m'en fous, mais si c'est un déficit de plus de 30 000, eh oui, là je vais moins m'en foutre. Alors là, je le mets. Et je vais mettre ça parce que j'ai pas envie de me. Shit. Quand le sort ne se met pas bien, c'est génial, c'est génial. Putain. J'espère que j'en ai. Oh non, je suis même pas à 4. Abusé. Abusé. Vous allez rire, mais la façon dont on va faire le reste des donjons, ça va être drôle. Après, je sais pas si ça va foncièrement être
Très possible. Si je dois ressusciter au moins un héros, quoi. Ah, mais non, il m'en reste en fait. Des. Oh merde. Casse pas les couilles, les tue pas. Là, j'ai fait trop de la merde là. Je pense que je vais ressusciter un héros. Mais non, mais il me reste mon ninja et ma succube qui sont dans les tours. En fait, techniquement, je pourrais faire un deuxième set de héros. Comme ils sont pas bien. Ouais, si, je vais le faire. Parce que ça peut passer, mais par contre, en attaque, je me fais des pop. Mon meilleur est le héros level 100. Ouais! Allez! Déjà, avec ma team principale, j'ai galère de temps en temps. Par contre, j'ai vraiment fait de la bouse sur la précédente attaque. Je sais pas pourquoi je continue là. Ok, donc. Qui j'ai? J'ai ma succube. Mais j'ai ma succube. Hop. Mon paladin, bah oui, le meilleur, bien sûr. Hop et hop. Donc, ce qu'on va faire, héros. Hop. On l'enlève, on met celui-là. On va mettre ce Zigoto. Le pire, c'est que j'avais jamais essayé, mais je peux vraiment faire un deuxième set. Hop. Vraiment. Bon, par contre, paye tes héros de merde, mais ça suffira. Ça suffira. Ça suffira, ça suffira. Désolé, je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Que dalle. Hop, et on va prendre quand même ça. Ce que on veut. Hein. Un minimum de récolte. Hop. Hop. Et on va faire les deux derniers donjons. Hop, on va faire celui-là. Est-ce que la 4 avec des level 80 je le fais ou pas? Oui, quand même. Ça va être lent. Hop. Bah oui. Oh, ça va, c'est vite. Ça va 3 fois plus vite. Juste avec mon centre, je le démonte. Plus vite, quoi. Ah, façon plus qu'une fois. C'est histoire de faire rapidement et après je vous laisse. Hop. Voilà. Hop. En plus ça fait déjà 23 minutes. C'est parfait. Excusez-moi si vous avez entendu ma mère crier là. J'ai plus trop le temps pour tourner ces derniers temps. Parce que j'ai pas mal les contrôles et tout. Et du coup, bah, je le fais à midi. Et à midi, bah, on mange. Cupid, laisse tomber. Alors, Cupid, en fait, il augmente son attaque. Mais alors, imaginez quand c'est énorme. C'est pareil pour les. Oh, j'espère que ma mère n'a pas coupé la. En tout cas les gens, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.